la résurrection et la vie, a dit le Seigneur. Et celui qui croit en moi, même s'il meurt, celui-là vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra pas. Selon la volonté de Dieu, nous confions ton corps à la terre. Poussière, tu retourneras en poussière, mais avec la certitude qu'au jour de la résurrection, tu te lèveras d'entre les morts pour revivre une vie éternelle. Eh bien, ceci termine le texte officiel du testament de Sir Charles. Puis-je être le premier à vous féliciter, Sir George, d'hériter le château de Farnsworth? Des murs qui tombent en ruine et une légende sinistre. Oh, plus des terres rapportant de beaux revenus. Aucun de nous n'a été oublié dans le testament, Monsieur Clarkson. Mon frère était un homme très généreux. Oui, c'était un avare, une brute. Oh, George, je vous en prie. Charles est mort, voyons. Il vous traitait plus comme un chien que comme sa pupille, Sylvia. Et vous le savez. Henri, vous allez enfin pouvoir réaliser votre rêve. Vous achetez votre cabinet médical. 2000 livres. Je n'arrive pas à y croire. Je suppose que c'est terminé, Clarkson. Pas tout à fait, Sir George. Votre cousin a ajouté à son testament un codicille assez curieux. M'étant fait de nombreux ennemis dans ma vie, je n'hésite pas à croire que l'un d'eux ait envie de mettre une fin brutale à mes jours. Et c'est pourquoi, de quelque façon que je meure, je désire que Sherlock Holmes soit engagé pour mener une enquête sur les circonstances de mon décès. Sherlock Holmes? Le détective? Mais c'est absurde. Charles est mort d'une crise cardiaque. Vous avez signé vous-même le permis d'inhumer. Je ne permettrai pas à Holmes de faire une enquête. J'ai bien peur que M. Holmes n'ait déjà commencé à faire son enquête. Un ordre de justice a été donné ce matin. Un ordre de justice? Pourquoi? L'exhumation du corps de Sir Charles. Une autopsie a été faite. Sir Charles est mort empoisonné par de l'arsenic. Elisabeth. C'est incroyable. Qui aurait pu l'empoisonner? Et l'arsenic? Seulement l'un de nous. Vous, moi ou Henri? Ou Sylvia? Oh non, pas Sylvia. Elle n'avait aucune raison. Elle avait la même raison que nous tous. La mort de Charles l'a rendue libre comme elle nous a tous rendus libres. Est-ce que Holmes et Lestrade sont toujours dans la chambre de la tour? Oui, et le docteur Watson est avec eux. Pourquoi Holmes s'intéresse-t-il autant à cette chambre? Parce que Charles y est mort, je suppose. Ou peut-être M. Holmes s'intéresse-t-il à la légende? Cette ridicule et stupide légende. Le meurtre, voilà à quoi je crois, Holmes, pas aux légendes. Mon cher Lestrade, les légendes servent souvent de paravent à des buts très réels. Mais quelle est cette légende? Eh bien, elle remonte à la guerre des deux roses. Une sentinelle s'est endormie pendant qu'elle était de garde, et le résultat fut qu'elle eut la tête coupée. Et depuis, chaque fois que quelqu'un dort dans cette tour, il doit mourir. Sans des sottises, bien sûr. Mais Sir Charles a dormi dans la tour et il est mort. Oh, c'est une coïncidence. Il avait déjà absorbé le poison et il fallait qu'il meure quelque part. Cette fenêtre est vraiment trop étroite pour permettre à quelqu'un d'entrer ou de sortir. Et avec la porte fermée, cette chambre devient un véritable cercueil. C'est de l'arsenic qui l'a tué, Holmes, pas la chambre. Ou la légende. Ou la légende. Docteur Watson, vous avez lu le rapport de l'autopsie. Quelle est votre opinion? Eh bien, il y a une chose qui m'a semblé étrange. Nous sommes en janvier. Et Sir Charles a mangé des raisins le soir où il a été empoisonné. Oui, et quel est le rapport? Voyons, on trouve difficilement des raisins en janvier. En Angleterre, du moins. Bravo, Watson. Des raisins en janvier? Oui. Arsenic. Contenu dans ce flacon. Et c'est l'un d'entre vous qui lui a donné. Chacun de vous tirait un bénéfice de sa mort. Oui, et chacun de nous savait ce que contenait ce flacon, inspecteur. L'arsenic était utilisé pour détruire les mauvaises herbes. En tout cas, Charles a mangé et bu la même chose que nous tous ce soir-là. Alors pourquoi n'avez-vous pas été empoisonné aussi? Miss Farnsworth, pourquoi votre frère a-t-il dormi dans la chambre de la tour la nuit où il est mort? J'en porte la responsabilité, Monsieur Holmes. Je l'ai défié de le faire. Ah, vraiment? Pourquoi? Pour mettre à l'épreuve ses fanfaronnades. Ça a commencé au dîner ce soir-là. Il y
Elisabeth, votre cuisine est de plus en plus immangeable. Si ça doit continuer, je vous conseille d'aller ailleurs empoisonner les autres. J'essaierai de faire mieux, Charles. Elisabeth, j'ai apprécié votre dîner. Mon cher cousin, vous ne connaissez rien à la cuisine. Pas plus qu'à autre chose d'ailleurs. C'est tout de même moi qui gère vos propriétés. Et on peut dire que c'est un beau gâchis. La moitié des fermiers n'ont pas encore payé leurs termes. Je ne vis pas de la sueur des autres, Charles. Vous encaisserez ce qu'ils me doivent dès demain matin, ou bien vous irez manger et boire ailleurs. Qu'avez-vous à répondre à ça, cher cousin ? C'est entendu, j'irai voir dès demain matin. Pourquoi toujours nous humilier ainsi, Charles ? N'avez-vous aucune décence, aucun respect humain ? Je ne suis pas une mauviette comme Georges, et j'ai horreur de la faiblesse. Le courage n'est pas que physique, Charles. Le courage ? Vous rappelez-vous le jour où je vous ai enfermé dans la chambre de la tour ? Vous hurliez comme un cochon qu'on égorge. J'étais un enfant de 7 ans, et non un homme brave comme vous. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez osé enfermer un enfant dans cette chambre, mais vous n'avez jamais voulu y passer une nuit vous-même. Vous pensez que je crois à cette stupide légende ? Oui. Et elle vous fait peur. Comme vous fait peur tout ce que vous ne pouvez entendre, voir ou toucher. Vous m'y avez enfermé, moi, pour voir si j'aurais plus peur que vous. Elisabeth, donne-moi une bougie, je vais passer la nuit dans la chambre de la tour. Charles, pensez à votre cœur, si vous aviez peur. Vous parlez comme un idiot. Peur de quoi ? Je ne suis pas une vieille femme. Je vais chercher une bougie. J'ai dû enfoncer la porte de la chambre le lendemain matin et je l'ai trouvé mort. Ça a dû être un choc. Quel genre de raisin avez-vous mangé au dîner ce soir-là ? Raisin ? Nous n'en avons pas mangé. Nous n'avons pas mangé de raisin depuis des mois. Alors qui a donné à Sir Charles les raisins qu'il a mangés ce soir-là ? Parce qu'il en a mangé et ils l'ont empoisonné. Personne n'a donné à mon frère des raisins, inspecteur. Une personne l'a fait, le meurtrier. Lestrade, ce ne sont pas les raisins qui vous donneront la clé du mystère. La solution est dans la chambre de la tour. Réfléchissez, Holmes, nous l'avons déjà examinée. Et je la découvrirai. Et comment ça, Holmes ? Mais en passant une nuit dans la chambre de la tour moi-même. Monsieur Holmes, je crois que vous avez tort de prendre la légende de notre château à la légère. Bien au contraire, Miss Farnsworth. Je la prends très au sérieux. Alors prenez garde, Monsieur Holmes, et restez éveillé. Holmes, comment trouverez-vous la solution du mystère ici ? Bien simplement, Watson. Le meurtrier va essayer de me tuer aussi. Pourquoi ? Parce que je suis Sherlock Holmes. Ah. Et si je restais avec vous ? Non, non, mais merci d'y avoir pensé. Holmes, s'il arrive quelque chose, appelez-moi. Oui, oui, je vous jure de le faire.
Voici. Voici. Je vais vous conduire dans ma chambre. Arsenic, Watson, vite, l'antidote. L'arsenic? Oh. Oh. Possible, Holmes, mais j'y comprends rien. Voyons, vous et moi avons mangé et bu la même chose. Watson, je crois connaître le secret de l'assassin. Peut-être bien que je devrais monter réveiller Holmes. C'est curieux qu'il ne soit pas là. Ce n'est pas que je sois superstitieux au point de croire à cette légende stupide, mais... Mais vous croyez au meurtre, n'est-ce pas, Dr. Reeves? Holmes. Eh bien, il semble que vous soyez tous surpris de me voir vivant ce matin. Disons plutôt que nous sommes soulagés, Monsieur Holmes. Soulagé n'est sûrement pas le mot qui convient à l'un de vous. Mais de quoi parlez-vous? On m'a empoisonné hier soir. Et si je suis vivant ce matin, c'est grâce à un peu de chance et à beaucoup de prescience de la part du docteur Watson. Hier après-midi, le docteur Watson a découvert la vraie cause de la mort de Sir Charles. Et il est allé commander un antidote à l'arsenic chez le pharmacien du village. J'aimerais connaître celui ou celle d'entre vous assis à cette table qui doit maudire cette prescience. Devons-nous avoir peur de chaque bouchée que nous mangeons? Pas de chaque bouchée, Sir George. Rien que des mets ayant un goût assez fort pour ne pas laisser transparaître celui de l'arsenic. Ou des fruits comme le raisin, par exemple. Et si vous voulez savoir qui a empoisonné les raisins, je peux vous le dire aussi. La personne qui les a achetés dans une boutique de Londres le jour même où Sir Charles est mort. Je me doutais que vous feriez cette enquête, mon cher Lestrade. Alors, qui donc les a achetés? Miss Sylvia Taylor. Vous mentez. Laissez-la répondre elle-même, Sir George. Oui. C'est moi qui les ai achetés. Sylvia. Et qui les avait apportés à Sir Charles dans la chambre de la tour. Oui. Mais je vous jure que je ne les ai pas empoisonnés. Pour des raisons qu'il préférait garder pour lui, Holmes ne partageait pas l'opinion de Lestrade sur la culpabilité de Sylvia Taylor. Il pensait même que son arrestation ne ferait qu'assurer définitivement la sécurité de l'assassin, qui s'en tiendrait là et ne prendrait plus de risques susceptibles de le démasquer. Il me confia donc qu'il fallait l'obliger à se manifester de nouveau malgré lui.
Pour cela, il décida avant tout de démontrer publiquement à Lestrade qu'il devait découvrir d'autres preuves avant d'inculper Sylvia Taylor. À son avis, cela devait effrayer le coupable. Encore plus de preuves? Pour ça, il vous faudrait passer votre vie à examiner avec votre loupe la terre entière. Et je n'ai pas l'intention de le faire, mais une bonne équipe de policiers pourrait peut-être avoir plus de chance. Vous allez trop loin. Une bonne équipe de policiers? Quand pourriez-vous amener dans la maison suffisamment d'hommes de Scotland Yard pour mener à bien une fouille systématique? Ce soir, peut-être. En tout cas, sûrement demain matin. Attendez un peu. C'est ma maison. Oh, Lestrade, je crois que Sir George préférera qu'ils arrivent avec un mandat de perquisition. Je vais appeler le Yard immédiatement. Watson, vous êtes sûr que personne n'a quitté la maison? L'agent qui est à la porte dit que personne n'est entré ni sorti de toute la journée. Bon, j'espère qu'il ne s'est pas trompé. C'est vraiment épuisant, vous savez, Holmes, de monter cette gare qui jusqu'à présent ne nous a rien donné. Mais il ne faut pas perdre espoir, Watson. Le meurtrier est aux abois maintenant et la peur l'obligera à agir. Oh, Holmes, pourquoi allez-vous toujours à cette fenêtre? Vous savez, je crois que ce sont vos allées et venues continuelles qui me rendent aussi nerveux. Il est là, Watson. Quoi? Vite, Watson, allons dans la tour. J'arrive, Holmes. Watson, voulez-vous descendre immédiatement, dire à Lestrade d'amener ici nos quatre amis? Qu'avez-vous découvert? Eh bien, comme je l'espérais, l'assassin nous a fourni les éléments nécessaires à le prendre au piège. Dépêchez-vous, Watson, nous n'avons pas de temps à perdre. Oui. Vous voulez bien vous asseoir? Quel est exactement le but de cette séance, Holmes? De découvrir un meurtrier, Lestrade. Oui, mais pourquoi ici? Peut-être que la légende nous le révélera. Oui, Lestrade. La légende. La vieille histoire d'une sentinelle étourdie. Et une histoire bien utile au meurtrier, qui ne s'attendait pas à une autopsie. Mais pourquoi a-t-il choisi cette chambre pour tuer? Quelle est la mystérieuse relation existant entre la chambre de la tour et la mort? Je vous en prie, taisez-vous. Je ne veux pas rester ici plus longtemps. Je suis désolé, Miss Taylor, mais nous devons rester et attendre. Peut-être toute la nuit. Qui sait? Mais voyons... C'est de la folie. Je ne me sens pas très bien. Pourriez-vous ouvrir la fenêtre? Oui, je vais l'ouvrir, Elisabeth. Nous commençons à manquer d'air. Oh, ne vous donnez pas cette peine. J'ai déjà essayé de l'ouvrir moi-même et c'est impossible. Oh, ma tête va éclater. Oh, il faut ouvrir la fenêtre. Je vais étouffer. Par pitié, ouvrez la fenêtre. Je vous l'ai déjà dit, Miss Farnsworth. C'est tout à fait impossible. Je ne vous crois pas. Please, obligez-le à ouvrir la fenêtre. Calmez-vous, Elisabeth. C'est cette pièce sinistre qui vous rend nerveuse. Ah, elle se vend de malheur. Elle y a de quoi nous rendre fous. Monsieur Holmes, il faut nous laisser redescendre. Je vous demande à tous de vous calmer. Ne l'oubliez pas. Comme je l'ai déjà dit, l'attente peut être longue. Je vais sortir d'ici. Elisabeth. Ouvrez la fenêtre. Ouvrez-la, entendez-vous? Taisez-vous. Ne rendez pas la situation plus pénible qu'elle ne l'est déjà. Imbécile. Imbécile, mais comprenez donc. Il faut que nous ayons de l'air. Il le faut, entendez-vous? Ouvrez la fenêtre. Je veux partir, je ne veux pas mourir. Il n'était pas nécessaire d'ouvrir la fenêtre, Miss Farnsworth. Oh, Watson, il y a un paquet sur la commode derrière vous. Voulez-vous me l'apporter?
Oui, bien sûr. Miss Farnsworth, j'avais eu la précaution de remplacer vos bougies à l'arsenic par des bougies ordinaires. Évidemment, vous ne pouviez pas savoir. Des bougies à l'arsenic? Oui, Lestrade. Comme celle qui a tué Sir Charles. Mais Sir Charles a été empoisonné par les raisins? Ah non, Lestrade, sa mort a été provoquée par des moyens bien plus ingénieux. Une petite chambre, une fenêtre étroite et une bougie imprégnée d'arsenic et dégageant des vapeurs fatales. Oui, très ingénieux. J'ai bien connu. Les gaz d'arsenic sont mortels. Mon cher Lestrade, la personne qui avait placé là ses bougies ne pouvait pas rester toute la nuit à attendre la mort. Elle était obligée de se démasquer. Je m'excuse d'avoir imposé ça aux autres, mais franchement, j'ignorais lequel de vous était le coupable. Mais Holmes, pourquoi avait-elle choisi cette chambre pour détruire les bougies? Parce que c'était la seule chambre du château où elle était sûre que personne ne viendrait la surprendre. À cause de la légende.